Allez, on lâche le Jester Spin, direction la machine à sous classique Vegas, pareil, ça fait un petit moment que je l'ai pu tester. Alors, on remonte à 2003. 20, 40, 60, on va commencer à 40. Alors 44, 280, pas mal, x2. Petit x3 peut-être, non? 604 pour des mises à 40. Un petit x15 par rapport à la mise. Bon, petit bénéfice d'entrée, mais qui risque bien sûr de pas faire très long feu. Et à 3000, bon début, mais des fois c'est un bon début, mais une mauvaise fin. Par contre, pour arriver au x5, c'est pas évident de se taper plusieurs wins consécutifs. Parce qu'on redescendra à 2003, c'est-à-dire ce qui va nous cramer les wins. C'est bien sûr toujours une option envisageable avec les machines à sous, alors 100 balles. On était qu'au x1. Oh, sans deck bonus. Un petit bonus. J'espère qu'il va pas me balancer le 3. Alors, s'il me sort le 3, c'est le coup du rat, mais le rat infini. Oh, le crevard sans deck, le crevard. 3 free games. Le minimum. Enfin, il suffit d'une belle free game pour se taper du win. Bon, je préfère en avoir éventuellement plus. Allez, c'est parti, 3 free games. La première, 80. Les petits symboles. Cacahuète, dernière chance. x3, est-ce qu'on arrive au x6? Ah, quand même. 6 x9, non. 832. Ben 972, c'est pas mal. Ça nous refait un boost à 3004. Bon, j'avais commencé à 2003, on est monté à 3004. Joli coup de chance en début de partie. Alors ne pas s'enflammer, ne pas croire pour ceux qui matent la vidéo que c'est la machine à sous qui paye. Bon, elle a payé le... Elle a balancé les free games, mais c'est un coup de chance. Puis ça peut très très vite rebouffer le bénéf, donc... Enfin, tout simplement pour dire que très souvent il y a des débuts de partie chanceux, puis par la suite le jeu se m'a payé que dalle de chez que dalle, ou vice versa. Alors on va faire un petit retour à 40. On a augmenté les mises, on a pas mal de swings perdants, donc là on n'est pas loin des 2003 la balance de départ. Alors 320, 452. Heureusement on n'est pas monté au x4. Super voile de rien. Double voile rien. Bon, on est toujours en bénéf, mais ça réduit. On n'a pas cumulé les wins malheureusement. Alors, dommage pour la dame sur le rouleau 2.
patrouille de 44, on a 2006. Le bel bénéfice l'a bien réduit. Pas x2, pas x3. Encore moins le x4, x5. Donc voilà, le bénéfice il est rebouffé. On est redescendu à 2003. Ça aurait pu payer encore, mais ce ne fut pas le cas. Bon, après, je sais qu'il y a souvent des joueurs qui jouent à une machine à sous. Tiens, ben, commence à payer, donc elle est en mode je paye. Non, non, c'est attention, retournement de situation. Enfin, ça peut continuer à payer, ça peut. Peut-être l'inverse. Bon, là on se fait des glingues. Alors, est-ce qu'on va nous ressortir un joli truc? On avait fait une belle remontée en début de partie. Elle a un petit classique, les gars. C'est un petit free game à 40 balles. J'espère qu'il va pas me la faire à l'envers, me ressortir le chiffre 3. Allez, touch to spin. 9. Alors, 9 c'est l'embellie. 9 c'est l'embellie. Eh bien, tout à l'heure on a eu le minimum, là on a eu le maximum. Alors bonne question, est-ce que ça va raquer? On a 1005 x12. Déjà si on arrive au x6 ou x9, ça peut être éventuellement intéressant. x6 bordel, chiotte. Sa grand-mère en string, ça y est, ça raque, ça raque. Et ben on se tape une remontée. Bon après ça, ça arrête partie directe, parce que là je me voyais mal barré sur le 0. Sans déconner, on arrive encore à faire du survival machine après machine. Parce que des fois on se fait planter torcher d'entrée, mais là. Alors 2072. La suite. J'espère qu'il va nous refaire au moins un joli win comme ça. Et un petit x3. Malheureusement c'est pas évident de se reste d'arriver qu'au x6. Voilà, j'ai continué la partie après le bénéf, ça va rebouffer le bénéf, ça avait dégringolé, là c'est beaucoup de bol d'avoir gagné les free games. Et là ça va repartir bien en bénéf. Free game. Allez, montons-moi x6. Malheureusement. 2008, dernière free game, ben voilà, dernière pour rien. 2816 pour des mises à 40 balles, c'est quand même pas mal. C'est joli joli. Et ben on dépasse le x50 par rapport à la mise. Alors, 4354 victoire. Bordel, c'était pas évident. Alors on va faire un petit spin, le spin qui va bien. Ah ben un joli win encore. Ah, 260. Une petite dizaine de spins pour voir comme ça, mais on va pas s'éterniser. Ils ont une limite fixée à 4004. S'il peut nous faire un petit coup, je sais pas, x2, x3, x4, x5 serait pas mal. C'est là, 4004, dernier spin à 10 balles. Et ben ça win pas, on a fait une jolie remontée quand même. 4004, on avait commencé à 2003, donc sacré performance, c'est pas tous les jours. Ben, un grand merci au Classy Vegas, ce sera éventuellement retenté dans pas trop longtemps. Enfin, on verra bien.